Coupe. Et bienvenue dans mon interview. Alors moi, en ce moment, je suis en train de surveiller la street. Je surveille toutes les activités. T'as capté, moi? Oui. Eh, ça tourne. Quoi, Gangster Fragile, ça fait un an que je suis son producteur et franchement, je suis pas très impressionné, hein. Je regarde la caméra ou j'ai... C'est là? Allô? Alors la musique, moi, c'est mon univers. En fait, c'est ma meuf. Ma meuf, elle m'inspire beaucoup. Et en plus, il parle tout le temps de sa meuf. Et la plus grande source d'inspiration dans sa vie, je pense que c'est sa meuf. Mais je suis pas trop sûr. Je pense. Et rajoute le son. Ouais, c'est bon. Eh, bébé, je t'aime. Bébé, je t'adore. Et personne n'a jamais vu sa meuf. Et même moi, je sais pas à quoi elle ressemble, chacal. Tant et aussi longtemps qu'il a pas sorti un vrai son. Et moi, vas-y, moi. À la fin de la journée, moi, il vient chez moi. On enregistre. Et il me paye, après ça... Bon, c'est pas vrai qu'il me paye, ça fait... Il me doit beaucoup d'argent, il me doit vraiment beaucoup d'argent, cet enculé. Moi, c'est pas mon taf de croire en lui, moi j'en ai rien à foutre, frérot. Pour être honnête avec toi, j'y crois pas. Ouais, donc des fois, quand je pense à elle et tout, ça me... Des fois, quand j'écris, j'aime écrire ce qui me passe par la tête, tu vois. Des fois, les gars, ils me disent que ouais, je suis trop, je dis trop des trucs, hein. Mais la musique, c'est comme ça que tu dois faire affaire. Tu dois toujours dire qu'est-ce qui te passe par la tête, t'as vu? Généralement, moi, ça en prend pas beaucoup, hein. Je suis là avec mon producteur, je suis là avec mon pote Nelson. Donc, on est là, on est casé. On fait du lourd, sa mère, ça cale, ouais, c'est bon. Non, mais à part ça, sincèrement, il y a un truc, ça c'est vrai, il freestyle très bien. Peu importe la situation, frère, il va te sortir un son de malade. Et l'autre fois, on était chez lui. Je lui ai posé une question bête là. Et il a commencé à nous faire un son, j'ai rien capté, frérot. Eh, hey, frérot, depuis la dernière fois, tu nous as parlé de la meuf, il s'est passé quoi là? Ah, laisse, frérot, laisse. Ah, vas-y, parle, petit. Ah ouais, toi t'es comme ça, toi t'es un cachotier toi. Ah non, elle l'a cru, c'est la reine des neiges. Vas-y, explique un peu, explique. Ah, t'inquiète. Arrête de mentir, je suis sûr, elle t'a bloqué. J'ai capté une meuf, des masses en gros boule. Je me rapproche un peu, elle ouvre sa bouche, elle pue de la gueule. Voilà, je fais quoi? Je donne mon numéro. Depuis ce jour là go, elle me kiffe de ouf. Elle m'appelle, mais je suis en mode avion. Dans la gova, danse le cotazo. Le poulet, on graille même les os. Elle me rappelle, je lui donne trop de sensations. Elle veut me voir, mais je suis avec le gang. Y'a pas de go, juste le gang. J'adouille mes billes, comme mon gang. Aucune meuf me fait kiffer comme mon gang. Non, pour vrai, il s'est passé quoi? Je l'ai dit, elle m'a dit j'étais moche des ouf. Ok les gars, alors aujourd'hui, leçon numéro 1. Je vais vous apprendre comment voler une auto. Alors premièrement, tu repères une voiture. Ouh, regarde la voiture là-bas, regarde. La blanche là-bas, là, c'est là. C'est bon? Suivez-moi. Ah mais c'est mon auto. C'est mon auto du coup. Ah c'est mon auto. Moi dans la street, je serais connu comme le plus grand gangster, t'as vu? En plus en ce moment, j'essaye de rapper un peu, t'as vu? Parce que les gars disent que je suis talentueux. Puis à ce qui paraît, je suis plus fort que Nino. Ouais, Nino c'est mon petit, c'est mon... Dommage, comme je commence, je suis méchant. Fais marcher, je te casse ta gueule. Casse ta gueule. Dans la rue, faut rester focus. Faut pas te faire décourager et tout. Et même quand ta meuf t'appelle, tu réponds pas. Ouais, le bébé. Ouais, je suis crudant, je suis en train de faire une interview, là. Ouais. Ah, arrête, attends, attends, il y a la caméra, là, attends. Ah, je t'aime. Ah, bébé. Tu coupes, hein? Tu coupes ou pas? Par contre, je suis impressionné par toutes ces sessions de freestyle. Shout-out à tous mes gars dans la street. S'il vous plaît, les gars, quand vous achetez du weed, donnez-moi un petit pourboire, s'il vous plaît, quand même. Je vous fais un bon service, les gars, quand même. C'est pas tous les jours que quand vous achetez du weed, c'est pas tous les gars qui vous chatouillent la tête. Non, mais c'est ça, donc à chaque fois, nous, ici, on est dans le studio. On est tout le temps dans le studio. Soit on est en train de bédaver, soit on fait les bédavements dehors, là. Soit on est dans le studio, on est en train de bosser. Mais on bosse. Mais jamais il a sorti un vrai son, chacal, là. Oh, son chat. Parce que moi, je lui ai dit, t'es plus fort que Niyu, chacal. T'es plus fort que Damso, PNL et tout. Là, c'est des menteurs. Des menteurs.
Est-ce comme l'autre fois, tu te rappelles qu'on était au studio là? Je lui ai posé la question, je lui ai dit, frère, est-ce que tu connais des marques de vêtements et tout? Le gars nous a balancé un son, frérot, j'ai rien capté. Bon, c'est le tour de qui là? Ouais, chacun, c'est moi. Hey, ça c'est quoi ça? Eh, hey, mais toi tu dis t'es un gangster, mais tu portes jamais de marque de luxe. Eh, hey, de quoi tu parles, enculé? Ah, c'est vrai. Toujours là, parler de ta meuf. Arrête. Ah, c'est vrai, il connaît pas les marques. Non, mais pour vrai, est-ce que t'en connais au moins? Oui. Ah ouais, t'en connais? Oui. Oh, oui, c'est bon. Oui. Vas-y, dis-nous tout. J'arrive en LV, Gucci, Louis, Fendi, Nike, Givenchy. Pour lécher mes pieds, elle dit oui. Pour lécher mes pieds, elle dit oui. Pas besoin de forcer, elle c'est une fille. Prada, Moncler, ma meuf la skin, Bougler. Balenciaga sur ta mère. J'laisse des grosses marques sur ses grosses paires. Pété comme jamais, ma meuf elle pète sur mes Hermès. Demain les grosses paires de manque, j'veux déjà guère le coultre. Demain les grosses paires de S. Côté pas de fille. J'arrive, recouvert Burberry. Ma meuf elle casse les couilles. Mais au lycée d'Hawkins, sur ma vie que j'dois la marier. Yeah. Putain de merde, que ouais, que j'dois la marier. Putain, j'dois la marier. Yeah, yeah. Eh, hey, tu viens de faire une dinguerie là. Ouais, par contre, à la fin, ça bug. Il a commencé à chanter et tout, frère, ça bug. T'as cru que t'étais Justin Bieber ou quoi? T'es pas Beyoncé, là. Des week-ends. Toi, c'est pas des week-ends, toi, c'est des lundis. Vraiment, arrête. Ouais, sinon, un truc qui m'inspire le plus chez Gangster, c'est ses tatouages. Parce que vraiment, ses tatouages m'impressionnent. J'ai jamais vu quelqu'un réfléchir autant pour faire un tatouage. Hey, t'as déjà vu des tatouages comme ça? Hey, ça, c'est des bails de Picasso, Donatello, Mozzarella, Achacala, arrête. Moi, ce qui me définit un peu, tu vois, il y a mes tatouages. Là, ici, c'est un couteau. Il y a des gars qui disent que ça ressemble à une bite. Mais non, chacal. Ouais, donc t'as capté. J'ai un couteau. C'est un couteau. Pique, les gars. J'ai un tic-tac-toe. Ouais, parce que quand j'étais petit, j'étais le meilleur. Donc moi, je pétais tous les gars. C'est pour ça que j'ai fait un tic-tac-toe ici. C'est pour me rappeler de tous les enculés que j'ai pété. Les gars, vous rappelez moi? Ouais, c'est bon. C'est quoi d'autre? Et puis, expliquez-moi, c'est quoi le délire avec ces tatouages-là? Eh, il fait des trucs bizarres sur son visage, frère, je comprends pas. Eh, il a une bite. Eh, c'est écrit Teubé sur sa joue, frère. Ça va pas passer à la télé, ça, waouh. Eh, on est où, là? Alors ici, il y a des gars qui disent que c'est Teubé pour bite. Non. Bite, en anglais, ça veut dire mordre. Te bite. Ah, ça passe pas à la télé, frère, arrête-moi ça. C'est mes grills. 40 carats de grills en aluminium. Ah, t'as capté, les jaloux vont souffrir. Toi, dans le game, faut pas faire comme tous ces rappeurs là, faut sortir du lot. Non, moi j'ai pris mes grills en aluminium, chacal. 40 carats, ça coûte cher des ouf. Genre 10$. Oui, j'ai un. Bien, super C. Et 10$ pour des aluminium. Normalement, c'est 2$ et tout, mais ça, c'est 40 carats, chacal. T'as capté, hein. Ouais, donc moi, gangster, on se connaît depuis. Ça fait 2 ans. Pour mon dernier tatouage, j'ai une croix. Parce que vraiment, le Seigneur. Il a toujours été avec moi, tu vois. Donc, ouais, c'est très important, chacal. Faut représenter. C'est bon. Hé, toi, mais faut pas trop donner la confiance à ce type de rappeur. Après, il va avoir la grosse tête. Si t'as vu déjà, lui, sa tête est balèze, sa mère. Sinon, supportez vos rappeurs du quartier, hein, les gars. Et en passant, oubliez pas de venir au studio. Bref, ici, Gangster Fragile, t'as capté pour un petit interview pour... C'est quoi la chaîne? Mais je vais bientôt passer à la télé. Nouvel album dans les bacs. Allez acheter. Pas les bacs de recyclage. Bac. Pas les bacs pour avoir ton diplôme. Les bacs. Pas les bacs. Bon, je pense que t'as compris. Nouvel album bientôt dans les bacs. Gangster Fragile, t'as capté. Ouais, c'est bon, chacun. Elle m'appelle, mais je suis en mode avion. Dans la Gova, danse le Cotazo. Le poulet, on graille même les os. Bite, en anglais. Ça veut dire mordre. Te bite. Dans mon petit vlog. Ouais, ça c'est un petit vlog dans la street au calme. Tu vois, pendant qu'on fait nos activités quotidiennes, on vend du shit. Et là, je suis avec mon acolyte, t'as rappelé? Mais ils peuvent pas trop parler parce que des fois, quand la police va nous arrêter, ils vont aller voir les acolytes, puis après ils vont nous snitch. Culé. Mais ouais, t'as capté. Eh, les enfants, restez à l'école.